Previously on Smallville. On fera un stream où on ira grind un petit peu. Je sais pas si on peut voir le level niveau 20. Donc je sais pas combien il faut être pour monter là-bas, mais si on pouvait monter niveau 25 au moins, voire 27 avant d'arriver au boss, ce serait très bien. Mais bon voilà, je pense qu'on va augmenter de niveau de toute façon avec les étages et tout qu'on va faire. Donc on verra bien. Je crois que c'est la première fois que je galère autant pour lancer un stream. Le jeu ne veut pas. Le jeu s'en bat les couilles, basiquement. Mais Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve sur Paper Mario, la porte millénaire, featuring le bouton pour enlever le curseur de la fenêtre. Pour aujourd'hui aller récupérer quelques petits trucs, à savoir quelques badges, à savoir un nouveau personnage et voir où tout cela nous conduit. Je voulais juste check une dernière fois ça. Alors vous allez me voir en grand, voilà, ça c'est ma tête. Alors ça c'est ma tête de fatigué, donc est-ce qu'on va juger à partir de là? Je pense pas. Ok, on reprend là, et ça me paraît bon. On va aller du coup aujourd'hui, dans ce stream, dégage la souris, on va aller chercher un nouveau personnage. Du coup on va y aller tout de suite, et ensuite on s'attaquera au donjon des 100 étages, voilà. Alors, nous revoilà du coup à, je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? L'agence d'entraide, voilà. Oui, non mais après je voulais pas que tu me racontes ta vie. Et alors il y a beaucoup de quêtes. Néanmoins, celle qui nous intéresse, c'est trouve un badge avec une personne. Voilà. J'aimerais que tu trouves un badge très très rare pour moi. Je t'en dirai plus de vive voix. Retrouve-moi sur le toit de la maison de Marité, sur la place de Port-la-Canaille. Ok, merci. Oh, c'est stylé ça, mais j'en veux pas. Surtout que j'ai dépensé pas mal de pièces. Là, qu'on peut voir, je suis à 557 pièces. Parce que j'ai dû faire 2-3 petits achats. Alors, est-ce qu'on ne connaîtrait pas cette petite souris? Salut, beau moustachu. C'est moi qui ai dépensé la retraite. La requête. Oh là là, ça va être dur. J'ai de la chance de tomber sur toi. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit. J'ai réussi à savoir où était le badge que je cherche, mais je n'arrive pas à le trouver. Il est caché chez Carbocroc. Je suis retourné au château quand j'ai su que tu avais battu Carbocroc, mais je ne l'ai pas trouvé. Le badge dans sa tour, apparemment, le vent doit souffler pour que l'on puisse trouver. Bien, tu veux bien essayer? En tout cas, je suis sûr que toi, tu y arriveras. Bah oui. Oui, on va essayer. Alors, le vent souffle, on sait tous de quoi il s'agit. La partie la plus chiante de cette quête, ça va bien évidemment être d'aller au château de Carbocroc. Désolé Dano. Parce que je sais pas pourquoi, mais il y a tout qui déconne. Il y a vraiment tout qui déconne. Donc. C'est gentil de me mettre directement sur le tuyau pour éviter que je reperde encore de la vie pour rien. Allez, c'est parti! Pourquoi j'ai acheté autant de badges? Alors, vous savez pas que j'ai acheté des badges. Pourquoi j'ai acheté autant de trucs? Pourquoi j'ai perdu autant d'argent? Tout simplement parce que j'ai acheté des badges. Et voilà, c'était la finalité de la phrase. Mais et c'est pour le donjon des 100 étages qui va être très très dur. Mais encore une fois, on y reviendra. Hop là, le petit Yoshi. Non, lâchez-moi, s'il vous plaît, putain. Vous valez rien. Ah! Coupec. On a besoin de toi, mon ami. Et oui, tu sors du sac après 3 ans de... Après 3 ans sans nous... Mais comment je passe là-haut? On va partir du principe que c'est pas là, parce que je pense que j'ai merdé quelque part, alors j'ai pas envie d'assumer, alors on va dire que c'est pas là. Bon bah, tant pis, hein. Au revoir, Coupec. La plupart des quêtes rapportent genre des pièces. Ah bon, c'est vrai, pardon. C'est vrai que les pièces, on pourrait en avoir besoin, et on va en avoir besoin dans tous les cas. Alors, non. Mais c'est des quêtes qui sont longues. Pour rien. Enfin, pour des pièces du coup. Mais bon, voilà, on a vraiment pas l'utilité des pièces actuellement. Oh non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Ok, attaque les ennemis au sol qui n'ont pas de protection. Fais tomber une carapace, ça c'est de la merde. Attaque tous les ennemis au sol. Est-ce qu'on essaierait pas ça? Vers la gauche le plus... C'était super dur, mais ça fait de bons dégâts. Bon, alors ça coûte un peu cher. Est-ce qu'on l'utilisait? Je ne pense pas. Alors on se souvient tous, dans les premiers épisodes, de moments difficiles hein, à cet endroit.
On va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Hein. Parce que c'est déjà marrant de monter, voilà, pour rien, parce qu'on y va pour quelque chose, mais bon, ça veut dire on se retape tout ça pour pas grand chose finalement. Donc ça c'est déjà marrant. Mais le plus marrant, c'est qu'en plus il va falloir redescendre. Voilà. On peut pas juste se transformer en avion et voilà, tu vois. J'ai acheté un badge et je le montrerai juste après cette petite quête. Et enfin voilà, je veux pas spoiler, mais il y a des choses qui vont se passer d'un point de vue vestimentaire. Voilà, merci, tu viens ici. Alors souvenez-vous, on avait affronté Carbocroc. On avait affronté Carbocroc ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas qui je cherche, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois mobs. Enfin, pas trois mobs, mais trois. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Intéressant. Il y a trois dragons. Et c'était le premier. Et les deux derniers, on va très 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 bientôt les voir. Qu'avons-nous ici? Le badge que Carmina a requis, il faut lui amener. Je me demande ce qui se passe si on l'équipe. Je regarde juste s'il y a un truc là. Oh, est-ce que vous pensez? Est-ce que Mario en pitch? Oh, ça, franchement, j'aurais adoré te dire oui, mais non. je suis vraiment désolé parce que je pense que ça aurait été le meilleur badge. Je sais même pas pourquoi ils y ont pas pensé. Ça aurait été tellement bien, putain. Ah putain, ça c'est moi qui fais le beau par message, on me répond pas et 45 minutes plus tard on m'envoie un message en disant rep. Ah moi tu me dirais pardon. Voilà voilà. Non, non putain la plateforme, pas toi. Je vais pas y arriver. Non c'est bon. Merci. Putain y'a un mec là. Ah oui mais on était déjà allé le voir. Oh putain le nez écoute. Ça commence à bien faire. Oh, cette mine réjouie, tu as trouvé le badge. C'est bien le badge que je cherchais. Youpi, écoute bien mon moustachu et ne te fâche surtout pas. En fait, c'est moi qui avais caché ce badge, c'était juste un jeu, pardon. Mais en tout cas, j'avais bien raison, tu es vraiment formidable. Ah oui, nous sommes formidables. Tu as l'air encore plus doué que moi pour trouver les badges, tu sais. Fais-moi un bisou. Tiens, j'ai une bonne idée. Je vais t'accompagner dans ta quête si tu es d'accord. Je viens avec toi, je suis sûr que je pourrais trouver des tas de badges. Je sais bien que c'est ton aventure, mais bon, d'accord, je viens avec toi pour te remercier. Je t'offre le badge que tu as trouvé. Mais ça a l'air d'être vraiment de la merde. Quand Mario attaque, ça fait un bruit de souris. Trop bien. Et voilà un petit gâteau en plus. Oh aïe, ah, est-ce qu'on n'a pas fait la quête juste pour ça? Voilà. Et Carmina rejoint le groupe. Alors qu'est-ce que peut faire Carmina? Habiter de Carmina. Appuyez sur X pour qu'elle renifle les alentours et dise s'il y a des choses à trouver. Ok. Je ne renifle rien. Hein. Ok. Pour qu'elle vous donne. Ok. Écoute, je suis avec ta meuf, alors tu vas arrêter de me la mettre à l'envers. Ok, du coup, on a terminé la première quête, on va juste aller augmenter notre chère Carmina, notre nouvelle arrivante. Alors, sachant que c'est le dernier personnage qu'on peut débloquer. Chronologiquement, je sais pas si on peut le débloquer avant un autre personnage, mais non, je crois que la quête se débloque assez tard. Alors, avec chassé croisé, elle étourdira tous les ennemis. Ça peut être intéressant, donc vas-y, on va la faire augmenter. Et là, c'est parti pour Brigidi, Badibi, Bou, etc. Voilà. Après, est-ce qu'elle est pas mignonne quand même? Elle fait des petits clins d'œil et tout. Ouais. Alors là, il me reste 5 du coup. Avec bisous fraternel, elle soignera Mario. Et ça peut être très très intéressant. Alors on va le faire. Il manquera juste Goumeli un petit niveau. Il lui manquera ça. Et alors Cumulia, ça a été la grosse douille, j'ai envie de dire. Et nous voilà du coup avec tous nos personnages. Alors, elle fait quoi là? Elle est en train de me sortir le cul? Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, il est temps de transformer Paper Mario en Mario passion vêtements. Regardez, si jamais je vais dans badge et que je désactive le merveilleux badge emblème Luigi, et que j'active, où est-il, l'emblème W, mais que se passe-t-il? Nous voilà transformés en Wario. Alors là, vous devez vous dire, ok. Ok, Wario c'est sympa, il est marrant, il est gros, parce que apparemment les gros c'est marrant. Mais les couleurs sont pas ouf, voilà, moi perso je préfère le ketchup à la moutarde, pour être pas spécialement en fait. Mais bon, on se comprend, au moins niveau des couleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On pourrait déséquiper l'emblème W pour mettre l'emblème L. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre l'emblème W avec l'emblème L? Et si jamais on fait ça, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe Tommy? Et ben regardez ça. On s'est transformé en Mario Waluigi. Et je pense qu'on va rester, parce qu'il est vraiment stylé, on va pas se mentir. On va rester, ça va être une... Oh, ça... je vais les garder, je pense, jusqu'à la fin de...
la fin du let's play, ça va être une torture de changer la couleur. Déjà j'ai galéré pour changer la couleur du sprite de Mario du rouge au vert. Alors le faire passer en violet, mais avec autant de teintes, ça va être quelque chose. Mais bref, voilà, donc maintenant nous sommes Waluigi, enfin Mario Waluigi, voilà. On va aller en direction du donjon des doubles je sais pas quoi là. Du donjon tout court en fait. Du donjon des 100 étages. Alors, je vais être franc direct, je vais être très très franc, de vous à moi je ne sais pas. Je ne compte vraiment pas. Oh, ta mère la conne aussi, hein, au bout d'un moment. Hein. Je ne compte vraiment pas, mais vraiment pas, réussir ce donjon. Parce que il est atrocement dur. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais je pense que... on va essayer de pas se faire toucher, parce que je pense qu'il y a du monde là. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait. Parce que je suis allé voir un petit peu, je suis allé me renseigner. Et beaucoup l'ont fait en post-game. Et on n'est pas du tout en post-game, alors on n'est pas trop loin de la fin, mais bon. J'aurais préféré un mode pitch. Ah, franchement, moi aussi. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal. Danger, n'entrez pas, donjon aux 100 étages vers le fond de la terre. Attention, initiative et attaque choc ne fonctionnent pas ici. Ok, j'ai préparé mon petit calepin, où j'ai pris quelques petites informations. Comme quoi, il faudrait que j'équipe... Alors voilà, j'ai aussi fait la razzia au niveau... Alors, je pouvais pas en prendre plus. C'est vraiment le maximum que j'ai pu faire. On va se débrouiller avec ça. Et dans les badges, il fallait absolument que je... Alors, on va garder ça. Allez, directement là-dedans. Il fallait que j'en ai des spéciaux, quoi. Donc voilà, là j'ai tout déséquipé. Bon, sauf les emblèmes, mais de toute façon, qui coûtent rien. Et il faut que j'active. Alors... où suis-je? Alors, marteau séisme, ils disent qu'il faut que je l'active... On va l'activer pour l'instant, on verra. Alors, Kalmos, les nuits orageuses, il paraît que... En toute façon, on va commencer par faire la liste, et si jamais il n'y en a pas, par exemple, il y a Multibon, et Multibon, c'est con parce que je l'ai vendu il y a 2 ans à peu près, et je sais plus du tout où c'est que je peux... Je sais que je peux le retrouver quelque part, mais je sais pas où. Il nous fallait, par exemple, Trouve-Cœur et Trouve-Mes-Couilles. Voilà, lui et lui. Et lui, je pense qu'effectivement, ça va être utile. Donc, on est d'accord. Bouclier Pique, que j'avais déjà activé, mais qu'on va réactiver parce qu'on aime ça. Et alors là, ça va être les... ceux qui coûtent le plus cher. Puissance plus. Ok, normalement il y a puissance plus. Partenaire. Ensuite, là il nous reste 5 points, donc je sais pas comment on va faire. Ok, ça coûte que 4, ça veut dire que je peux encore mettre 1 à 3. C'est vraiment de la stratégie pure. Bon, on va remettre ça, voilà. Et là, on peut se lancer. Alors il faut savoir que dans ce donjon, on peut pas sauvegarder. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on le quitte, on peut pas revenir par exemple à l'étage 52. On peut pas se soigner, enfin il y a des petites manières, mais c'est très sporadique. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs un peu compliqués. Et on commence directement avec un Goomba bleu. Alors pourquoi pas. Voilà, et on lui fait très très mal, hein, basiquement. Alors les premiers vont être simples. J'ai vu... ouais, je crois que je l'ai, ok. J'ai vu que on pouvait je sais plus ce que je voulais dire, donc voilà, fin d'histoire. Ok, et là, je sais pas ce que ça nous dit. Sous-sol 1, ok, donc il y en a 100, rappelons-le. Ça, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Ça va être au très long, hein. Je suis un passeur, je connais un ou deux raccourcis dans ce donjon. Pour quelques pièces. Je comprends pas. Ça peut être vachement intéressant. Attends, on est au sous-sol 5. On va aller au sous-sol 10. Nickel. J'espère qu'il va pas nous ramener à... Elle a trop bien. Pour 30 pièces. Et alors voilà, du coup là il y a un marchand. Je suis un marchand ambulant, j'ai quantité d'articles en tout genre. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu... Ah, tu vends vraiment de la merde. Tu la vends de la merde chère et tu vends de la merde. Ok, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on a là? Putain, je crois qu'on l'avait déjà et on n'en voulait déjà pas à l'époque où on l'avait. Ok. Et on continue notre périple. Voilà, du coup, il y a 100 étages, on est au 10e. Don't think, just go.
On arrive au niveau 20, où on a... Attaque et enflamme tous les ennemis au sol. Ok, c'est intéressant. Voilà. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'essayer notre nouvelle étoile, nouveau pouvoir étoile qui coûte 6. Appuyez le plus vite possible sur... Ah ok, alors je mets la manette en mode on appuie vite. Bon, ça va, c'est... Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et la dernière va être dure, hein. Ok. 15 de dégâts. Bah en fait ça fait pas autant de dégâts que je pensais, hein. Enfin dans le sens où je crois que Traspo ça fait autant de dégâts, hein. Donc à voir, hein. La vérité à voir, hein. Finalement je suis un peu déçu. Bon après c'est stylé quand même. Et Traspo c'est quand t'as énormément d'ennemis. Enfin énormément d'ennemis. Quand t'as au moins 4 ou 5 ennemis c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est toujours sympa. Ok, niveau 30. Qu'avons-nous débloqué? En combat, les ennemis qui touchent Marius, c'est excessivement stylé ça. On le gardera peut-être pour plus tard. Bon, par contre, les passeurs, il n'y en avait pas tant que ça. Ça, si j'avais pu, je lui aurais demandé de me passer pendant... pour 15... Oh, Kevin! Kevin en violet! Oh, c'est JB, en fait! Putain, on a 148 personnes qui nous regardent là, en bas à gauche là. Impressionnant. Et on monte de niveau, enfin. Ce n'est pas trop tôt. Alors la question, c'est de savoir quel badge je vais mettre maintenant. Voilà. Ouais, enfin bon, je... Là, ça va pas être trop indispensable. Ah, oh putain, c'est effectivement... Oh putain, mais masse de pièces. Masse de Moulaga, comme on dit. Parce que voilà, j'aimerais rentrer. Les niveaux sont vraiment simples, hein, pour l'instant. Je pense qu'on va vraiment galérer à partir du niveau... peut-être du niveau 50. Oh, un passeur. Alors... On est au sol 38. Hop là. On réappuie là et on va descendre de 2 étages. Comme ça. Comme ça, on est sûr de ne pas passer à côté. À mon avis, c'est tellement évident que je vais passer à côté d'un truc à la con. Ah bon, comme ça, on pourra se dire, voilà, on a tous les badges qu'on voulait. Si Mario prend des dégâts en combat, il gagne un point fleur. En soi, il est pas mal, hein, ce badge. Pardon. Il est pas mal. Bon, maintenant, un peu moins cool.